Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant cet après-midi pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je viens nager dans ce grand bain de lumière, ce bain de ta présence, de tes mérites, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Et je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, et également toutes les âmes du purgatoire pour qu'elles puissent être purifiées et expier plus vite les conséquences de leurs péchés, qu'elles puissent plus vite se jeter dans tes bras, Seigneur. Merci Seigneur infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Viens vivre dans nos cœurs, nous avons besoin de toi, nous sommes néants, nous sommes misères et nous avons besoin de nous unir à toi pour que tu viennes nous brûler de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens nous marquer du sceau de ta divine volonté et viens agir à partir de toute notre humanité que nous t'offrons en gage de notre amour cet après-midi. Au nom de tous. Jésus, maintenant dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous enseigner à travers ce nouveau passage. Vraiment que nous soyons tout à fait réceptifs et que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons lire dans ce passage. Que nous puissions être de bons instruments entre tes mains et que chaque mot que tu as béni ici dans ce passage puisse fructifier pour ta gloire. Merci Seigneur avec tes remerciements à toi et maintenant parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint Seigneur, que je reste toujours dans ta vérité. Alors nous continuons et le passage que nous allons méditer est celui du 28 mai 1920. C'est Louisa qui parle. C'était pendant le Saint Sacrifice de la Messe et je me fondais en Jésus afin d'être consacré avec lui. Bougeant en moi, il me dit, ma fille, entre dans ma volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les hosties, non seulement actuelles, mais aussi futures. Donc Jésus demande à Louisa, au moment de la consécration de l'hostie, que Louisa s'unisse à Jésus, qu'elle vienne vraiment dans cette hostie-là, mais aussi, puisqu'il y a ce pouvoir créateur et multiplicateur dans la divine volonté, il dit, plonge-toi dans ma divine volonté et viens me rejoindre dans cette hostie. Et comme ça, tu seras avec moi dans toutes les hosties passées, présentes et futures. Tu viendras me consoler de tous les outrages, de toutes les méchancetés que je reçois dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie. Vraiment, Jésus l'a dit dans les 24 heures de la Passion, son ouïe est plus molestée dans l'hostie que durant sa Passion. Tellement les cœurs sont mal disposés à le recevoir, les comportements sont mauvais, les cœurs sont encore remplis des choses du monde. Très souvent, Jésus souffre vraiment tellement et lui qui se réjouit de s'unir et qui est tout content de rentrer dans un cœur, il ne reçoit que mépris ou des prières mal formulées ou de manière assez mécanique finalement, des personnes qui n'ont plus la véritable foi que Jésus se trouve dans l'Eucharistie, parfois même des âmes qui sont consacrées à Jésus, qui lui ont promis fidélité et amour, qui ont promis à Jésus de donner leur vie pour l'aimer, pour le consoler. Et ces âmes-là, parfois, elles-mêmes, n'ont plus la foi de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et Jésus en souffre terriblement. Et donc, il appelle Louisa, mais il nous appelle nous tous, puisque Louisa est notre chef de file. Et si vous regardez cette vidéo, faites-le demain, à la messe. Allez vous unir à Jésus dans l'hostie. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je viens avec toi quand tu te consacres dans cette hostie. Je veux vraiment te prendre dans les bras, je veux te consoler pour tous les outrages, toutes les méchancetés que tu reçois continuellement. Je veux te dire à l'infini que moi je crois que tu es présent dans cette hostie. Je veux vraiment te louer, te bénir, t'adorer dans ta divine volonté. Qu'on dit dans ta divine volonté, c'est Jésus qui vient le faire en nous. Donc ce sont les adorations, l'amour de Jésus, les bénédictions de Jésus. On vient vraiment l'envelopper d'un amour divin. Et donc vraiment, Jésus nous appelle à faire cela. Ainsi, donc il s'adresse à Louisa, « Ainsi, tu recevras autant de consécration que moi-même. Dans chaque hostie consacrée, j'ai déposé toute ma vie et j'en veux une autre en échange. Je me donne à l'âme, mais très souvent, l'âme refuse de se donner à moi en retour. Ainsi, mon amour se sent rejeté, bafoué. » Le Seigneur cherche des âmes pour
pour vivre cette réciprocité d'amour. Il s'est donné entièrement à nous, non seulement tout au long de sa vie, vraiment, voilà, de la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort, ça n'a été qu'amour pour nous, continuellement. Il a refait toutes nos vies. Il nous a vus à travers les siècles. Il vous a vus, il m'a vu, il a vu mes mauvaises actions, tous ces moments où je dissociais mes regards de sa divine volonté, où mes actions ne le servaient pas, tous ces moments où mes pas, eh bien, allaient marcher vers des choses futiles, des choses purement humaines. Il a vu tout cela, il a tout souffert, il a tout refait. Il s'est donné dans son intégralité, il a souffert, mais des milliards de petites morts, chacune des microsecondes, vraiment pour refaire vraiment nos vies et les sanctifier. Donc il s'est donné dans son intégralité, il s'est vidé de son sang, il nous a donné sa maman, ce qu'il avait de plus précieux. Et il se donne, eh bien, tous les jours, lorsque nous allons à la messe, il se donne à nous, il renouvelle à nouveau ce cadeau pour chacun de nous. Et il nous dit, eh bien, moi je me donne entièrement. Et je vois que les âmes qui me reçoivent, eh bien, elles pensent à autre chose. Elles sont là peut-être par mondanité, parce qu'il y a une communion, un baptême. Voilà, elles vont dans la file. Parfois même, elles m'offensent, elles me communient pour m'outrager. Il y a des personnes qui prennent des hosties pour des rites sataniques et pour aller envoyer des coups de couteau dedans, etc. Donc le Seigneur est meurtri par tout cet amour qui est foulé aux pieds. Et donc vraiment, il cherche des âmes pour lui donner de l'amour en retour, pour l'aimer au nom de tous. Et c'est cela que nous faisons dans la divine volonté, nous réparons au nom de tous nos frères et sœurs qui ne glorifient pas, qui n'aiment pas, qui ne remercient pas, qui ne se rendent pas compte en fait de la présence de Dieu à leur côté, à chaque instant, partout dans la création. Il y a partout ces messages d'amour. Je t'aime dans les feuilles des arbres, je t'aime dans l'herbe qui pousse, je t'aime dans chacun des insectes. Vous voyez, l'amour de Dieu est partout, il se donne dans son intégralité à chaque instant pour chacun de nous. Et en retour, eh bien, il dit que son amour est rejeté et bafoué. Viens donc dans ma volonté pour être consacré avec moi dans chaque hostie. Il nous appelle pour venir nous unir à toutes ces douleurs dans chacune des hosties. Ainsi, en chacune, je trouverai ta vie en échange de la mienne. Donc c'est comme si, quand on va s'unir à Jésus, on lui dit: Jésus, je m'unis à toi. En fait, je te donne tout ce que je suis. Je viens t'apporter mon âme, je viens t'apporter ma volonté propre, je te donne tout et je te demande, eh bien, je te donne ma vie et toi donne-moi la tienne. Donc vraiment, c'est un échange de vie et il y a vraiment cette douce harmonie qui apporte, eh bien, une consolation au cœur de Jésus et qui vient un petit peu compenser toutes les méchancetés des hommes. Et cela, tu feras cela pas seulement pendant que tu es sur la terre, mais aussi quand tu seras dans le ciel. Donc vraiment, Jésus va nous garder avec lui dans toutes les hosties consacrées, passées, présentes et futures. Si on s'unit une fois à Jésus, on va à la messe, si on dit: Jésus, je veux vraiment être avec toi, je m'unis à toi. Là, vraiment, le prêtre est en train de te consacrer dans l'hostie, j'ai envie de venir te consoler pour toutes les offenses que tu reçois, même des âmes qui devraient être les plus fidèles comme les prêtres. Eh bien, je suis là, Seigneur. Eh bien, ce moment d'union est éternel. Le Seigneur va nous garder avec lui dans toutes les hosties consacrées, passées, présentes et futures. Et il nous dit, et cela pas seulement pendant que tu es sur la terre, mais aussi quand tu seras dans le ciel. Et comme je recevrai des consécrations jusqu'au dernier jour, eh bien toi aussi, tu recevras avec moi des consécrations jusqu'au dernier jour. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner partout. Et on peut dire la même chose: Jésus, je viens avec toi, je reste avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées. Donc on peut aussi rester, voilà, Jésus qui est seul, dans le tabernacle qui attend, et voilà, il y a peut-être une demi-heure, une heure par jour d'adoration, et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont adorer? Eh bien, il est très souvent seul, et on peut lui dire: Jésus, je viens avec toi. Voilà, je reste. Jésus regarde nos intentions, rappelons-nous, et nous pouvons émettre l'intention de l'accompagner, de rester constamment avec lui. Et moi, je dis chaque fois que, eh bien, que je quitte l'adoration: Jésus, je reste avec toi. Je suis avec toi dans le tabernacle et je veux te dire éternellement: je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie dans ta divine volonté. Entends-le continuellement, Seigneur, pour que tu ne puisses, eh bien, pas être triste, que tu ne sois pas seul là, que tu ne souffres pas quand tu entends le bruit des clés qui vient refermer les tabernacles. Je reste avec toi dans la noirceur de cette petite boîte dans laquelle tu te trouves. Il ajouta: les actions faites dans ma volonté excellent au-dessus de toutes les autres. Elles entrent dans la sphère de l'éternité et laissent derrière toutes les actions humaines. Ce n'est pas la première fois que Jésus nous en parle. Il nous a même dit qu'une action,
une action faite en union avec lui, dans sa divine volonté, eh bien, valait plus que la vie entière de tout un saint, par exemple, qui eh bien, aurait fait des super belles choses pour Jésus, des actes d'amour pour Jésus, etc. Parce que cela reste humain, toutes ces actions faites par amour, aussi belles soient-elles, aussi saintes soient-elles, aussi pieuses soient-elles, eh bien, tout cela reste humain. Tandis qu'une action faite par Jésus est divine, elle est éternelle, elle s'arrête jamais, elle est parfaite, elle rend gloire parfaitement à Dieu avec l'amour le plus parfait, avec les bénédictions les plus parfaites, puisque c'est Dieu qui vient lui-même se glorifier à travers cet acte fait en union avec lui. Par exemple, voilà, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, je cligne des yeux dans ta divine volonté, eh bien ce petit acte-ci vaut plus que toute une vie remplie de plein d'actes humains aussi magnifiques soient-ils. Voilà, tous ces actes rentrent dans la sphère de l'éternité et laissent derrière toutes les actions humaines. Ce n'est pas important que ces actions soient faites à telle époque ou à telle autre, ou qu'elles soient petites ou grandes. Donc ce n'est pas important que ce soit eh bien, une énorme action, une prière qui dure 4 heures faite dans la divine volonté, à le même poids que Jésus, je mange dans ta divine volonté. Toutes les actions vont être parfaites et vont rendre parfaitement gloire à la Trinité. Donc peu importe quand c'est fait, si les actions sont petites, sont grandes, il suffit qu'elles soient faites dans ma volonté pour qu'elles aient la priorité sur toutes les autres actions humaines. C'est absolument magnifique. Si c'est Jésus qui fait, ça va directement avoir la priorité sur tout le reste. Puisque ça devient complètement magnifique, infini, ça s'arrête jamais, ça va toucher toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations, dans le ciel, sur la terre. Il va y avoir des retombées bénéfiques sur toutes les âmes. Il y en a qui vont se convertir, il y en a d'autres qui vont se sanctifier, d'autres qui vont être sauvées de la perdition, certaines âmes du purgatoire qui vont pouvoir également rejoindre le paradis, qui vont être purifiées. Tout cela va résulter d'un petit acte fait en union avec Jésus. C'est magnifique et cela vraiment doit nous pousser à ne faire que ça de nos journées, c'est incroyable. D'ailleurs Louisa, eh bien Jésus lui montrait tellement la beauté de ses actes faits dans la divine volonté qu'il lui a dit, mais si les hommes réalisaient eh bien ce que c'était de vivre en union avec moi, un acte fait en union avec moi, ils ne voudraient pas en louper un seul. Ils ne voudraient plus jamais faire un petit acte de leur volonté propre parce qu'ils se rendraient compte de tout ce qu'ils perdraient. C'est inimaginable ce qui se passe au niveau spirituel quand on s'unit à Jésus. Les actions faites dans ma volonté sont comme de l'huile mêlée avec d'autres matières. Qu'il s'agisse de choses de grande valeur, comme par exemple de l'or ou de l'argent, ou de mes relevés, ou de choses ordinaires, toutes restent en bas. L'huile prévaut sur toutes, elle n'est jamais en dessous. Même en petite quantité, elle semble dire « je prévaux sur tout ». Voilà, il prend l'exemple, c'est comme si on mettait une goutte d'huile, on peut la mettre dans n'importe quel liquide, et bien aussi précieux soit-il comme de l'or liquide, etc. Et bien cette petite goutte d'huile remontera toujours à la surface, elle prévaudra toujours. Et bien il dit, bah, c'est comme les actions dans ma divine volonté, c'est un exemple pour illustrer, et bien elles seront toujours au-dessus, même si c'est minuscule, c'est micro-goutte, alors que en dessous, et bien il y a toutes ces actions magnifiques, des mortifications, des prières, faites dans sa volonté propre, des vies saintes, pieuses, magnifiques, vraiment magnifiques. Et c'est Jésus qui le dit. Voilà, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais voilà, Jésus nous illumine de ses paroles, nous éclaire et nous apporte vraiment sa vérité. Il nous dit que nous unir à lui, eh bien, ça prévaut sur tout le reste. Aussi grandes soient les actions faites dans nos volontés propres, aussi pieuses, aussi belles, aussi saintes, une toute petite action faite en union avec Jésus prévaudra toujours et de très loin, puisque les actions eh bien, faites dans notre volonté propre resteront en dessous et la petite goutte eh bien, sera vraiment tout au-dessus. Les actions faites dans ma volonté se convertissent en lumière, une lumière qui se fond avec la lumière éternelle. Elles ne restent pas dans la catégorie des actions humaines, mais elles passent dans la catégorie des actions divine. C'est pour cela, en fait. Il y a vraiment les catégories des actions humaines. Et là, eh bien, il y a bon, toutes les mauvaises actions des hommes, les iniquités, les vices, les péchés, etc. Et là, il y a des hommes qui ont été vraiment saints par leurs actions humaines. Ils ont vraiment fait de belles choses. Ils ont glorifié la Trinité. Ils ont été vraiment
plein d'amour pour le Christ, et parfois ils sont morts par amour, etc. Et tout cela, et cet amour a touché vraiment le Seigneur, et ces vies sont magnifiques, et nous pouvons vraiment prier tous ces saints et leur demander vraiment d'intercéder pour que nous puissions nous aussi devenir des saints. Mais Jésus dit, ces saints n'avaient pas la chance de connaître mes enseignements sur la divine volonté, puisque je ne les donne que maintenant. Vous pouvez chercher partout dans tous les écrits, partout, vous ne trouverez rien concernant la vie dans ma divine volonté, puisque elle ne devait être donnée qu'à ce temps précis. Que la première à recevoir ces enseignements, eh bien, c'est Louisa. Donc tous les saints avant, eh bien, ont acquis leur sainteté, mais de manière magnifique, vraiment par des prières, etc. Mais c'est encore de la catégorie humaine. Ici, le Seigneur, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour, le fiat de la sanctification. Il veut vraiment, eh bien, envoyer son Esprit Saint partout dans tous les cœurs. Il veut que les âmes s'ouvrent et que ce soit lui qui agisse. Et si lui agit, eh bien, les actions deviennent faites par Jésus lui-même. Donc, des actions deviennent divines, éternelles et rentrent dans la catégorie des actions divine. On n'est plus dans les catégories des actions humaines. Ici, c'est complètement autre chose. On se retrouve dans la catégorie des actions divines. Et toutes les actions, eh bien, ont la même portée, que ce soit une toute petite action, comme je me promène dans ta divine volonté, ou bien, eh bien, je jeûne dans ta divine volonté. Toutes les actions ont les mêmes valeurs. Elles glorifient toute la Trinité de façon parfaite. Et elles seront toujours au-dessus, eh bien, des actes les plus saints, mais faits de manière humaine. Ce sont les paroles de Jésus. Donc ces actions ont la suprématie sur toutes les autres actions. Eh bien Seigneur, c'est magnifique. Nous te demandons vraiment cette grâce pour chacun de nous, vraiment que tous nos frères et sœurs, que vraiment tous les hommes de toutes les générations puissent s'ouvrir à cette grâce de la vie dans ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, nous venons cet après-midi placer ta paix, ton amour dans tous les cœurs. Nous venons, eh bien, entourer tous les cœurs de ce que tu es toi, de tes vertus, de tes actes d'amour, et placer ton amour, vraiment ton amour puissant, les flammes dévorantes de ton sacré cœur dans tous les cœurs, et nous plaçons une semence de ta divine volonté dans tous les cœurs, pour que les cœurs puissent s'ouvrir à cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Merci Seigneur, et bien d'opérer ce miracle et que beaucoup d'âmes, beaucoup se tournent vers toi cet après-midi et voilà, entendent parler de la divine volonté, soit reçoivent l'inspiration de se renseigner, achètent peut-être un livre, le commencent et que les âmes soient touchées Seigneur. Vraiment nous te demandons un feu d'amour mais brûlant pour beaucoup, vraiment que voilà, c'est vraiment cela que tu veux Seigneur, puisque vraiment c'est la prière que tu as enseignée à tes apôtres, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mon Père. Et donc vraiment, c'est ce que tu veux, Seigneur. C'est un décret d'ordre divin, cela va se passer. Alors vraiment que l'avènement du royaume de ta divine volonté arrive plus vite, qu'il soit hâté par nos prières, par nos actes en union avec toi et par notre désir de te servir continuellement et de te donner la première place. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle fin d'après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.